Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous pouvez voir que j'ai encore acheté des pet shops et donc là j'ai craqué pour les Lucky Pets. Donc j'avais dit que je les achèterais pas, mais à chaque fois que je dis que j'achète pas quelque chose, je le fais, donc voilà. Mais là du coup j'ai fait la super affaire, j'ai acheté ça sur Vinted, ils sont absolument tous neufs et ils sont tous différents. Vous allez savoir pourquoi juste après. Et du coup je les ai achetés 24€ les 6 frais de port compris, ce qui revient à 4€ l'un à peu près, alors que dans le commerce ils sont minimum à 6€ et par chez moi ils sont à 7€, donc ça vaut carrément le coup. Et donc normalement si c'était 7€ l'un, ça fait 7€ x 6 42. Et ben du coup ça fait 42. Comme vous le savez, les Lucky Pets, on ne sait pas quel pet shop on a à l'intérieur, sauf que récemment on a découvert une faille, enfin Lisa a découvert une faille. En fait au dos, derrière le code barre, vous avez un petit numéro qui se cache sur le biscuit. Donc là je sais pas si vous allez voir, mais c'est le numéro 12. Et donc chaque numéro correspond à un pet shop. Donc c'est la première fois que j'achète des Lucky Pets de cette série là. Là c'est les cookies fortune et donc c'est la première fois que je touche ça, c'est vachement agréable et apparemment faut le casser comme ça. Donc en fait à l'intérieur de ça il y a une checklist à chaque fois, donc je vais quand même vous la montrer au passage. Et pour indication, j'aime beaucoup ces Lucky Pets parce que j'en ai déjà vu en vidéo et je les trouvais tous très jolis. Donc vraiment il n'y en a aucun que je n'aime pas, enfin je les trouve tous très beaux. Franchement celui que j'aime le moins, je dirais que c'est le husky là, qui est violet et blanc, je le trouve pas bien fait. Et la girafe aussi, elle est vraiment étrange avec son os jaune, donc ouais, je pense que ce sont ces deux là que j'aime le moins. Donc évidemment je garde toutes les checklists et donc à l'intérieur vous voyez ça se présente comme ça. Il y a deux petits sachets, un avec un truc comme ça, donc bon c'est un peu moche. Et du coup là c'est une petite plume, apparemment ça correspond au LPS qui est à l'intérieur. Et donc pour le premier, oh super, j'ai le petit chien. Alors ça c'est un bull terrier, il est vraiment très joli, il est bordeaux avec du coup la petite plume qui correspond. Alors si vous voyez le numéro, oui vous le voyez, il est ici juste là, donc c'est le numéro 12. Donc pour ceux qui veulent absolument celui-ci ou qui n'ont pas encore ce chien là, trouvez le numéro 12 en magasin. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils font beaucoup beaucoup trop de plastique au niveau des emballages, donc tout le monde s'en plaint et c'est vrai que je suis bien d'accord, et surtout pour ce pack là en particulier, parce qu'en fait ils mettent du plastique là, ils mettent une coque en carton, enfin je pense que c'est du carton, et dedans il y a deux sachets différents, il y a la checklist, enfin c'est énormément de matière pour un pet shop et c'est vrai que c'est un peu abusé. Là je suis en train d'ouvrir le numéro 11 comme vous pouvez voir du coup juste ici. Donc là on a du coup la petite plume jaune, voilà, donc moi je vais toutes les garder dans un petit truc, tout ce qui est Lucky Pet comme ça qui ne sert pas, je vais quand même les garder. Et donc pour le pet shop... Ah trop bien. Super. Alors c'est le numéro 11 du coup, il s'agit de l'éléphant, l'éléphant rose avec la petite plume sur l'oreille. Il est super super joli. Ah lui je l'adore, il est vraiment trop mignon. Pour la troisième, alors il s'agit déjà du numéro 5 qui est inscrit juste en haut à gauche. Alors pour le petit objet, on a une patte jaune. Oh, c'est le petit ours. Ah, il est très très mignon. Alors, il s'agit d'un petit ours jaune. Vous le voyez vachement fluo, mais en vrai, il est plus jaune. Il est un peu jaune moutarde, en fait. Enfin, il est moins fluo que ça. Et du coup, là, vous le voyez pas forcément bien, mais en vrai, il est plutôt mignon. Sa patte est assez discrète, donc ça, c'est bien. Et il a des petits yeux bleus. C'est vrai que... Bah comme disait Avapi l'autre jour, c'est vrai que moi non plus j'étais pas spécialement fan de sa couleur, bon après je le trouvais pas moche du tout, hein. Mais c'est vrai qu'en vrai il est moins fluo que là ce que vous voyez, donc c'est à savoir quand même. Il me reste 3 cookies, enfin gâteau de la chance à ouvrir. Pour celui-ci il s'agit du numéro 6, donc là j'ai encore une plume jaune.
Et à l'intérieur, oui, j'ai un petit lapin. Il est très très mignon. J'avoue que c'est pas du tout ma forme préférée dans tous les lapins pet shop, mais ils sont quand même bien faits comme tous les lapins qu'ils ont faits. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a aucun qui est moche. Même les G3 lapins, je les aime bien. Donc c'est pour vous dire que je les trouve tous très jolis. Il est vraiment mignon celui-ci. Il est violet mauve avec des petits yeux turquoise. Et donc il s'agit du numéro 6 et il a une plume du coup à l'arrière de sa tête. Donc c'est bien mieux qu'il fasse ça à l'arrière. Cette fois-ci, il s'agit du numéro 15. Ah, cette fois-ci, j'en ai un de couleur bleue. Alors, il me semble, ouais, qu'il y a. Ah ouais, c'est ça en fait. En fait, il y a les super lucky, donc super chanceux. Il y a les chanceux, super chanceux et ultra chanceux. Tous les accessoires jaunes, ce sont des chanceux. Tous les accessoires bleus, ce sont des super chanceux. Et tous les accessoires, donc il n'y en a que deux, des accessoires bordeaux, ce sont les ultra chanceux, donc qui sont plus rares logiquement. Et donc moi, je suis tombée sur un bleu. Pour le moment, j'ai eu que des chanceux. Ah, super! Donc je suis pas tombée sur le petit chien, mais c'est un oiseau que j'aimais beaucoup. Il est vraiment très très joli, il est de couleur bordeaux et c'est pareil, c'est une forme que j'aime bien. J'aime beaucoup les oiseaux pet shop, donc je suis très contente. Et il s'agissait du numéro 15. Et pour le dernier, il s'agit du numéro 13. Ah, génial, j'ai la plume bleue donc j'ai encore un super chanceux. Par contre, j'ai pas eu l'ultra chanceux pour la plume. Ah bah, je vais avoir l'hippopotame. En fait, j'aurais pas dû regarder parce que du coup, j'ai pas la surprise. Et donc, j'ai l'hippopotame en effet. Alors, je suis vraiment contente d'avoir celui-ci parce que bah, le fait que ce soit un super chanceux, bah enfin, du coup, je suis fière. Mais il est aussi super mignon. Enfin, j'aime beaucoup la forme d'hippopotame et même, je les trouve très très mignons. Enfin, je sais pas, on dirait des petits bébés comme ça, ils sont trop choux. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc, rapidement, avant, je vais vous récapituler tout ce que j'ai eu avec les prénoms qui sont inscrits sur la checklist. Donc, mon préféré que j'ai eu, je pense que c'est justement ce boule terrier que je trouve très original. Déjà parce que c'est une forme qu'ils n'ont pas fait souvent et aussi parce que bah, la couleur est originale. Après, dans tout ce qui existait des Lucky Pet Cookies Fortune comme ça, j'en ai eu aucun que c'était mon préféré. Enfin, j'ai pas eu mon préféré de tous. Mon préféré de tous, c'était le hérisson et le mouton et la biche. En fait, ces trois-là, voilà, c'était vraiment mes préférés. Donc, au niveau de ce que j'ai eu l'hippopotame qui s'appelle Riles. Pour le deuxième, j'ai eu Topper, le petit oiseau. Ensuite, j'ai eu Hila, l'espèce d'ours. Gwynny, la lapina. J'aime bien ce prénom, je crois que je vais lui garder. Et Palmer pour le petit chien. Je trouve que c'est bien de leur avoir donné des noms. Et du coup, le dernier, c'est l'éléphant Houdini. Mais je trouve qu'ils sont bien leurs prénoms, j'aime bien. Et voilà tout ce que j'ai eu. Donc j'en ai eu 6 au total. J'espère que vous avez bien retenu les numéros. N'hésitez pas à les noter parce que le jour où vous irez en magasin et que vous voudriez un pet shop en particulier, bah comme ça vous saurez lesquels numéros correspondent à quel pet shop. Et puis bah si vous voulez avoir la surprise, au moins prenez des numéros différents à chaque fois. Donc voilà, moi je suis très très contente de ce que j'ai eu. Et plus je regarde le petit ours, plus je me dis qu'il est vraiment mignon. Et voilà, sur ce, on se quitte et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!